Donc au Maroc, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a pas de charbon, mais on a du soleil. Donc l'idée, c'était justement d'exploiter cette ressource naturelle et durable pour assurer notre besoin énergétique. Le complexe Nour Bouazizat est le plus grand complexe solaire en production. On a un champ de miroir qui reflète les rayons de soleil vers un récepteur qui est placé au haut de la tour solaire ici. Quand on apporte cette énergie thermique au récepteur solaire, on fait chauffer les sels fondus jusqu'à une température de 565 degrés et ça fait produire de la vapeur d'eau et par la suite faire fonctionner la turbine à vapeur et produire de l'électricité.